Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la brique de piquage pour fleurs séchées. Alors cette mousse de piquage, ici vous avez une forme de brique, vous pouvez avoir des cônes, vous pouvez avoir des cylindres, vous pouvez avoir des boules. Elle est constituée de microfibres de résine, donc elle est beaucoup plus dure de fait, et comme les blocs verts, elle ne pourra être utilisée qu'une seule fois pour ne pas après se retrouver avec un gruyère. Alors ces fameuses microfibres, elles sont mauvaises pour la santé pour les personnes qui pourraient être asthmatiques. Et il faut savoir aussi que ces blocs peuvent être inflammables. Donc il faut faire attention aussi de ce côté-là. Alors, elles sont un peu plus chères que les autres blocs. Il faut compter 2 euros par exemple pour une brique comme celle-ci. Elles ternissent un peu à la lumière, mais bon, ça ce n'est pas très grave puisque de toute façon, quand vous avez réalisé votre composition normalement, on ne doit plus voir le bloc après. Très pratique évidemment pour les fleurs séchées. Je vous propose de l'utiliser pour une de vos compositions. À très vite!